Bonjour et bienvenue sur Compta Online Info. Au sommaire cette semaine, la spécialisation des experts comptables, bien sélectionner un candidat pour éviter l'échec du recrutement et les chèques impayés en comptabilité. Une étude sur le marché de la profession comptable, publiée en 2017, analyse les attentes des clients. L'offre de services d'un cabinet doit s'adapter à leurs besoins réels. Elle doit aussi tenir compte de la notion de marketing de l'offre. Les attentes des clients obligent aussi à se poser des questions sur la spécialisation. Une spécialisation dont on parle beaucoup, puisqu'elle fait partie des travaux en cours au sein du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, ou CSOEC. La spécialisation dans un secteur d'activité pourra-t-elle être reconnue ? Faudra-t-il obligatoirement se former pour faire reconnaître sa spécialisation ? La spécialisation sera-t-elle liée à la personne ou au cabinet ? Autant de questions et bien d'autres auxquelles le CSOEC projette de répondre. Le recrutement est un investissement. Il est donc important de limiter les recrutements ratés, c'est-à-dire lorsque le candidat recruté quitte l'entreprise dans les 12 mois de l'embauche. Un recrutement raté peut coûter entre 20 000 et 200 000 euros selon le candidat et le poste. De multiples coûts visibles et indirects ne doivent également pas être négligés. Afin de limiter ces coûts, il faut par exemple prendre le temps nécessaire à la sélection du candidat. Les entreprises signent régulièrement des chèques pour régler leurs factures. Plus une entreprise émet ou accepte des chèques en paiement, et plus elle a de chances d'être confrontée à un rejet de chèque. On parle alors d'incident de paiement. Le rejet d'un chèque peut apparaître de plusieurs manières sur les extraits de compte. Parfois, le chèque n'apparaît pas du tout. Lorsqu'il apparaît, les banques ont deux solutions. Elles peuvent d'abord passer deux écritures, une écriture de paiement du chèque et une écriture d'annulation ou de contrepassation. Les banques peuvent ensuite utiliser la technique du compte bis. La provision est alors bloquée sur un compte séparé en attendant la seconde présentation à la banque. Les chèques peuvent être présentés deux fois dans le délai d'un an et 8 jours. Au-delà de ce délai, il faudra les annuler en comptabilité. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site comptaonline.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine.